Nous avons pris l'habitude à Clermont de célébrer la messe maronite à chaque occasion de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bienheureux es-tu, ô notre Père Maroun, puisque les paroles de l'Évangile sont tombées en ton âme comme tombe le grain de blé dans la bonne terre. Saint Maroun, c'est un saint qui est au IVe siècle, qui a rencontré le Christ, qui est devenu prêtre, et qui a eu une vie qui a donné sa spiritualité à cette église maronite. Cette vie, c'était une vie un peu de moine d'aujourd'hui ou d'ermite. Après avoir été à l'écoute de cette parole, il est allé en ville annoncer la parole. L'église maronite a commencé de cette manière. Et on dit que c'est une église d'origine monastique. C'est-à-dire qu'à la base, c'était surtout des moines qui vivaient en communauté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de moines, bien sûr, mais il y a aussi des laïcs, et c'est organisé un peu comme l'église catholique romaine d'aujourd'hui. C'est l'église maronite qui a la majorité des chrétiens au Liban aujourd'hui, au niveau du nombre. On a aussi une éparchie, un diocèse, qui couvre toute la France avec un évêque. C'est comme ça que moi, je suis venu ici à Clermont. C'est parce que l'évêque m'a envoyé célébrer la messe et pour essayer de transmettre aussi notre tradition maronite, notre liturgie à ces maronites qui sont à Clermont-Ferrand. Je crois que pour annoncer l'évangile du Christ, il ne faut pas toujours se retrouver entre gens qui pensent comme nous, qui chantent comme nous, qui prient comme nous, mais de s'ouvrir à des frères qui sont différents de nous et qui se tournent vers le même Seigneur. Il n'y a pas de barrière, c'est une question de langage, de langue, oui, d'accord, mais c'est la même foi, et ça c'est le plus important. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, et nous sommes tous frères et sœurs.